Allez, encore une petite I3 au passage. Là. Vous voyez ce qui est très malin, ce que je n'ai pas montré aussi, c'est la ligne de caisse, la ceinture de caisse qui est plus basse pour la porte arrière. Ça, c'est très malin. Ça donne de la belle visibilité. Vous voyez, c'est amusant. Ok. Ah, génial. Je peux enfin monter dans la I3. Bonjour, hello. Pardon. What a great car. Where can I bring you? Un petit tour. For me, to all five. Five? Yeah, five as well. Wow. Et ce qui est très surprenant, c'est l'espace qu'on a devant soi. C'est absolument génial. Donc là, dans les versions, à mon avis, hautes, avec cette boiserie qui donne un grand sentiment d'espace à bord. Ça, c'est très agréable. C'est drôle parce qu'on a presque l'impression d'être à la maison avec les écrans, les iPads. J'aime beaucoup le dessin de la boîte de vitesse. Ici, devant tout ce qui est clim et radio, on retrouve un peu l'esprit BM tout en étant avec le menu. Non, c'est vachement bien, vraiment. Vu ça à pêche, on peut le montrer ça. Beaucoup d'espace. How long is the car? Do you know how many meters? Not exactly right now. But it's four, more than four, four and a half. Probably. Je vais voir là. Distance exacte de la voiture. C'était intéressant de voir qu'il y avait plus la queue pour aller dans l'I3 que dans la S-Class devant. Voilà, comme toujours, on trouve le mode de propulsion. Donc la voiture pourrait être équipée d'un range extender. Non, non, vraiment, ils ont fait du beau boulot. Là, on est dans l'intérieur sombre, je préfère quand c'est clair. Là, il doit avoir reçu ordre de montrer aux Allemands que les accélérations sont fortes, mais voilà, pour quelqu'un qui roule en bien, la I3 s'impose naturellement comme une prolongation dans le premium de la voiture électrique. C'est bien sûr silencieux, on s'en doute. Le numéro 4, 5 est ça? Ouais. It's 5, ok. Yeah. Thank you very much. Nice car, really nice car. Au revoir. Alors, il y a un truc, voilà, on voit les roues sont très étroites, ce qui explique pour avoir le moins de résistance possible, feu à LED et tout, donc vraiment très belle réussite.